We all live in a digital world. We all need it to be open and safe. We all want to trust. And to be trusted. We all despise control. And desire freedom. We are all united. Bonjour, m'entend-on? J'espère que tel est le cas. Bienvenue à tous. Est-ce qu'on m'entend moi aussi? Oui, nous nous entendons tous. Très contente. La modératrice est-elle avec nous? Oui. Est-ce qu'on m'entend? Il y a eu pendant un moment, ça a été le silence, mais je pense que tout va bien maintenant. Oui, d'accord. En cas de problème, n'hésitez pas à me le signaler. Bien sûr, la connexion est parfois instable. Ce sont les inconvénients des réunions en ligne. Je demanderai aux participants de bien vouloir allumer leur caméra de manière à ce que nous puissions être sûrs que tout le monde est bien là. Nous devrions être 5. Il devrait y avoir 5 personnes en ligne et 2 personnes sur site, sur place, à Katowice. Bonjour à vous, messieurs. Donc, tout va bien. Alors, ne perdons pas plus de temps. À nous voilà 5. Très bien, commençons. Bonjour à tous une nouvelle fois. C'est la nuit, ici à Pékin. Je m'appelle Yu Xin. Nous sommes au beau milieu de la nuit. Je représente un réseau de télévision chinoise. Nous allons parler des conditions d'emploi à l'avenir. C'est la 16e édition de l'IGF, du sommet numérique, qui se tient à Katowice en format hybride. Malheureusement, je n'ai pas pu vous rejoindre physiquement, je n'ai pas pu me rendre à Katowice. J'aurais bien aimé. Heureusement, la technique est là qui vient en renfort s'ajouter aux méthodes traditionnelles. Alors, l'avenir du travail, l'avenir de l'emploi, n'oublions pas que nous sommes témoins de nombreux changements, de nombreuses évolutions que nous observons sur le marché. Nous voyons qu'il y a de plus en plus de demandes, de plus en plus de besoins en spécialistes informatiques. Il y a le développement de la technique. Il y a des machines qui, bien de plus en plus souvent, prennent sur elles une partie de notre travail. Mon travail, peut-être aussi un jour, disparaîtra, mon métier sera peut-être remplacé par, ou plutôt les hommes seront peut-être transformés, remplacés par les machines. C'est quelque chose, peut-être qu'il y aura une modératrice automatique un jour, qui sera toujours très bien maquillée, jamais en retard, toujours de bonne humeur, c'est possible. Alors, voyons quelles sont les évolutions, les changements dont nous avons besoin sur le marché de manière à pouvoir faire face aux changements, accompagner les changements. Voyons comment les ONG, le secteur privé, les gouvernements pourraient travailler, coopérer de plus en plus étroitement, de plus en plus efficacement pour mettre en application les nouvelles techniques et s'accommoder des aspects négatifs qui, ici et là, existent encore. Nous parlerons des diverses possibilités en la matière et parlerons aussi d'éducation. Éducation, même à l'étape de l'école maternelle. Nous parlerons du groupe STEM. Nous parlerons de la manière dont les politiques menées peuvent aider les travailleurs et l'ensemble de la société à mieux faire face aux changements auxquels nous faisons face, mais on peut toujours en faire face. Parfois, on peut accompagner les changements. On peut surfer sur les vagues de changement. Voilà. Et donc, bienvenue à tous ceux qui sont avec nous, tant en ligne que sur place. Voyons qui est là. Carmel Lia Valderrama est avec nous. Elle est du ministère des Techniques de l'Information et des Communications de la Colombie. Elle sera avec nous dans quelques instants. Avec nous également aujourd'hui, M.
Wojciech Murdzak, j'espère que j'ai bien Murdzek, Wojciech Murdzek, secrétaire d'État au ministère de la Science et de l'Éducation en Pologne. Encore une fois, n'hésitez pas à me corriger si je prononce mal. Je fais de mon mieux. Monsieur Thorsten Schäfer-Gutenberg sera avec nous également. Il est membre du conseil d'administration il devrait nous rejoindre bientôt, Monsieur Thorsten Schäfer-Gumbel, Madame Rinalia Abdulrahim, vice-présidente de la stratégie de la communication et de l'engagement dans la société Internet. Elle est avec nous en ligne. Monsieur Luke McKend, directeur des marchés en développement et directeur de la zone Europe, Moyen-Orient, Afrique, LATAM, chez LinkedIn, ainsi que Monsieur John Vamvakitis, directeur des il est à Google for Education. Nous avons aussi Monsieur Gbenga Sessan, directeur de l'initiative Paradigme. Je n'entends pas d'applaudissements. J'espère qu'il y a des applaudissements quelque part qui retentissent dans la salle. Ou bien, si tel n'est pas le cas, imaginons des applaudissements. C'est une belle distribution que nous avons aujourd'hui, propice à un bon échange d'expériences. Donc, commençons les travaux. Nous soulèverons trois sujets principaux. Je demanderai aux participants de partager leur point de vue, leurs expériences. Chaque intervenant disposera de 3 minutes pour contribuer à la discussion. J'espère que nous aurons l'occasion d'entendre des points de vue divers, variés et instructifs. Première question donc. Cette première question concerne les politiques. Aujourd'hui, un des sujets les plus brûlants est le besoin que l'on a en politique en matière d'éducation très précoce. C'est très important pour les filières génie civil, pour tout ce qui est technique, pour tout ce qui est mathématique. Que pourriez-vous en dire, vous, qui représentez des horizons divers et variés? Je voudrais demander à un représentant de notre hôte, un représentant de la Pologne, M. Wojciech Murdzek, si vous voulez bien commencer. Vous êtes secrétaire d'État au ministère de la Science et de l'Éducation. Je vous en prie. Mesdames et messieurs, nous sommes tout à fait conscients de la dynamique des changements qui sont à l'œuvre. Cette dynamique, cet élan n'a été que décuplé par la période difficile que nous avons traversée avec la pandémie qui nous a fait comprendre quelle était l'importance de contextes sensibles, de zones sensibles, de domaines sensibles. Il ne s'agit pas que de la santé, même si c'est bien sûr le secteur principal, mais beaucoup d'aspects de l'économie qui, de par le monde, ont été un peu partout mis à mal. Et puis, je pense que dans la conscience de tous et toutes, on remarque des contradictions. Parce que d'un côté, des années d'éducation, on a besoin de plusieurs années d'éducation pour préparer nos enfants, nos jeunes, nos étudiants, et puis ensuite nos jeunes travailleurs à ce qui se passe sur le marché du travail, un marché du travail qui change. Et puis en même temps, il y a la dynamique des changements qui, elle, le temps n'est pas le même. Il y a le temps de l'éducation qui se compte en années et il y a le temps de l'évolution du marché du travail. Ça, c'est parfois en quelques mois, en quelques semaines qu'on a des bons technologiques. Donc le premier défi, c'est cela. Le premier défi, c'est comment prendre à bras le corps ce problème, comment créer des mécanismes qui vont nous permettre de réagir très vite à ce qui se passe, voire même d'être proactif. Parce que ce sont des évolutions civilisationnelles qui ont des implications au niveau national, au niveau politique, au niveau économique et au niveau culturel aussi. Donc l'éducation, ici, doit être un levier nous permettant d'être toujours, d'avoir
un coup d'avance par rapport à l'évolution technologique. Ça, c'est tout un art et je pense qu'il nous faut apporter tout notre soutien aux institutions qui vont dans ce sens et qui créent de bonnes pratiques qui vont permettre à réagir au mieux à toutes ces évolutions. Certaines choses, il y a des choses qui demandent d'agir très tôt, dès la maternelle. C'est pourquoi en Pologne, ayant conscience de l'existence du plan de relance post-pandémie, nous avons inscrit en tant qu'élément permanent la numérisation, mais non pas seulement à l'école d'ailleurs, mais je le disais, en commençant par renforcer l'éducation numérique, alors de manière très ludique hein, bien sûr, mais dès l'école maternelle. Pas seulement au CP, mais dès la maternelle. Il faut que ce soit ludique, il faut que ce soit amusant, il faut que ce soit adapté aux plus jeunes enfants. Et puis derrière, tout cela est piloté au niveau des écoles primaires. Nous discutons avec les instituteurs pour voir comment adapter les programmes pédagogiques et comment faire les choses en prenant en compte l'âge des enfants. Puisqu'on ne va pas faire la même chose pour des 7-8 ans et pour des 12-13 ans. Mais de toute manière, l'aspect ludique est toujours important. Alors ce qui est très à la mode, c'est la robotique. On apprend aux enfants à programmer des robots. Alors c'est en 4-0 et parfois en 5-0. C'est quelque chose que l'on fait dès maintenant. Des cours de robotique pour les enfants, c'est à la fois très ludique et très instructif et c'est civilisationnellement et historiquement très important parce que c'est vraiment l'avenir. Donc on va chercher les zones, chercher quels sont les défis là où on peut agir. Il faut prévoir les défis, en faire des opportunités et en faire des idées de programme derrière. Et derrière, c'est toute l'infrastructure qui doit être modifiée de manière à pouvoir aller dans ce sens. Il faut déterminer les besoins pour avoir des descriptions de phénomènes avec les descriptifs des technologies, par exemple, basées sur l'hydrogène, par exemple, avec l'intelligence artificielle, pour voir comment on peut l'utiliser, cette intelligence artificielle. Après, il faut voir aussi que la jeunesse, elle est attirée par le monde virtuel. Donc, il faut leur montrer que ce que l'on fait, ce qu'on leur enseigne, doit avoir, ça va être utile dans le monde réel, dans le monde 4.0, dans le monde 5.0, dans l'industrie, dans la robotique, et pas seulement dans le software, pas seulement au niveau logiciel, pas seulement sur des aspects visuels, même si c'est visualisation, c'est 3D, ça a l'air réel comme ça. Il faut leur donner un outil dans la main à un moment. Il faut leur montrer, regardez, c'est vraiment quelque chose de tangible, quelque chose qu'on peut toucher. Ça s'incarne dans le réel, dans la réalité. Et ça, c'est des habitudes qu'il faut prendre très tôt pour que ça porte des fruits plus tard. D'où la création de l'idée de créer des compétences chez les adultes qui vont être conseillés en fait derrière et qui vont évaluer les prédispositions, les talents des jeunes en voyant quels sont les manques sur le marché du travail, quelles sont les compétences qui sont recherchées et dont nous manquons, voir qui sont les jeunes qui sont porteurs de ces talents, qui sont porteurs de ces compétences et essayer de joindre les deux bouts. Donc après, il faut bien sûr surfer sur les centres d'intérêt des jeunes, sur leurs talents, et pour faire en sorte que les choses soient les plus pertinentes, parce qu'il ne s'agit pas seulement après aussi d'aider les jeunes à trouver du travail et d'aider les patrons à trouver du travailleur, mais il faut faire aussi en sorte que l'emploi créé aille accélérer l'évolution technologique de la société. Et puis ça, c'est une source aussi de satisfaction. C'est une source de joie pour les jeunes, parce que c'est un plaisir de faire des choses qui non seulement sont modernes, non seulement sont innovantes, mais sont utiles à la société. Et en plus, ça représente un défi personnel et collectif, un défi sociétal. Chercher des solutions interdisciplinaires à des problèmes qui ne le sont pas moins. Ça permet aussi d'apprendre à travailler en équipe pour voir quel est le contexte d'une équipe, le contexte large, le contexte économique, le contexte civilisationnel, le contexte social, pour pouvoir ensuite partager ces compétences.
ce qu'on va prendre à cette étape-là et ce qu'on va prendre comme responsabilité en tant qu'État ne peut ensuite qu'apporter des fruits tangibles et avec des compétences en matière de coopération interculturelle, internationale. Et ça, ce sont des évolutions absolument primordiaux et précieuses, parce que ça se ressent ensuite au niveau international, au niveau scientifique, au niveau économique. La mondialisation de nombreux phénomènes fait que nous faisons face à des défis assez similaires, quels que soient nos pays, quels que soient nos continents. Et pour ce qui est du développement durable, énergie, climat, etc., on voit qu'au niveau des pays, il faut que nous réfléchissions, que nous pensions certaines catégories un peu de la même manière et que nous créons des processus de formation, des processus d'éducation visant à préparer le mieux possible les jeunes à faire face à ces évolutions. Évidemment, les moyens engagés par les différents États, la technologie qui devrait... En particulier, nous avons appris beaucoup de choses pendant la pandémie. La technologie qui devrait soutenir tout le processus d'éducation. Tout ça sont des choses qui sont des défis qui se posent devant nous. Mais je pense aussi que le copartage de bonnes pratiques, l'échange des informations sont très importants. Un élément important est la création de ces éléments d'ouverture de la science, d'ouverture de ces process. Quant à leur contenu et aux méthodes, et des fonds impliqués, des technologies engagées, pour percevoir de plus en plus de trames comme communes, comme des enjeux communs à l'échelle internationale, parce que nous obtenons ces effets de synergie. C'est là que l'échange, largement compris l'échange social, l'échange de personnes, est quelque chose qui donnera non seulement satisfaction, mais qui va rapprocher aussi, qui va nous rapprocher à des bons effets. Donc c'est des accents dont il vaut la peine de parler, tout comme nous sommes conscients que pour beaucoup d'États, la construction d'une position forte est un grand challenge, pas seulement pour l'éducation, mais aussi une position pour la science, car nous sommes conscients du fait que sans accomplissements scientifiques, ne serait-ce que pour la confrontation avec la pandémie, ferait que nous ne pourrions pas parler de vaccins si les études qui passaient avant les méthodes n'auraient pas duré depuis de longues années. Ensuite, l'accélération et la recherche intense de solutions a une base très forte. Et ici, l'exemple d'une approche globale, mondiale de ces enjeux est une bonne expérience qui prouve que dans une situation difficile, une situation de crise mondiale, je pense que ce monde de la science cherche et trouve des solutions, des réponses. Il y en a plusieurs qui sont importants. Et un espace comme les forums internationaux, des congrès où nous pouvons nous faire part des bonnes pratiques et d'expériences, ou se poser des objectifs communs, c'est aussi une entreprise très importante pour nous tous. J'espère que ce type de rencontres, comme celle de Katowice, mais aussi dans la dimension globale, mondiale, en se liant, en connexion avec le monde entier, sera une impulsion vivifiante pour nous tous, pour revoir tout ce dont nous disposons, cette offre des différents États, et pour se soutenir, pour se faire part des bonnes pratiques, des accomplissements de la science, car sans cela,
arriver à un équilibre, à de bonnes solutions, peut être excessivement long. Et la dynamique de ces changements est un grand enjeu aussi pour y arriver à temps. Et la liste est en vérité très longue. C'est pour ça que nous soutenons tous les programmes, à commencer de l'école maternelle, via toutes les formes qui concernent les écoles primaires, secondaires, par le soutien de jeunes scientifiques, chercheurs. La liste des programmes gouvernementaux serait très longue, je ne vais pas la présenter ici. Mais nous cherchons dans tout ça un effet de synergie pour qu'on puisse voir une continuité en regardant le processus d'éducation et qui serait une suite naturelle et donnerait un sentiment d'effet de synergie. Je pense que c'est ça comme introduction. Je serais très curieux d'écouter les autres intervenants. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Je vous remercie pour cette réponse si exhaustive pour ma première question. J'ai noté plusieurs mots clés. Éducation ciblée, éducation à tout âge, infrastructure, etc. Maintenant, je vais vous présenter les autres intervenants qui nous ont rejoints. Nous avons ici Madame Carmen Ligia Vandena, ministre des Informations technologiques et des communications de Colombie. Et nous avons été aussi rejoints par Thorsten Schoeffer-Gümbel, qui est membre du conseil d'administration de l'agence GIZ d'Allemagne. Ce sont les panélistes qui nous ont rejoints entre-temps en ligne. Donc je demanderai maintenant à Madame Carmen Valderrama de bien vouloir nous dire quelques mots au sujet de ce qui se passe en Colombie. De quelle manière prépare-t-on les enfants à cette dynamique dans le secteur de l'éducation? Veuillez brancher votre micro. Veuillez mettre en marche votre micro parce que nous ne vous entendons pas. Hoy creo que no hay nación en el planeta Tierra que no esté interesado y dándole toda la prioridad a este asunto, enfrentar. Je pense qu'il n'y a pas d'endroit sur cette planète qui n'aurait pas vu combien importants sont les challenges liés à la transformation numérique et que cette transformation serve aux gens. Je voudrais vous faire part de ce qu'étaient, ce que sont et quels seront les expériences de la Colombie en matière de cette transformation numérique. Nous sommes sûrs qu'en tant qu'État, nous devons être les alliés des jeunes en ce qui concerne toutes les disciplines liées à la mathématique, aux mathématiques, la technologie, l'informatique. Et c'est pourquoi le gouvernement colombien et mon ministère, le ministère des technologies et de la télécommunications, est arrivé à la conclusion ensemble avec les autres ministères qu'il valait la peine de mettre en place des politiques et des stratégies qui mènent à accélérer la transformation numérique. Pour réduire ce gouffre numérique qui existe en Colombie quant à l'accès, mais quant à l'utilisation des technologies. Nous, en tant que ministère des technologies, nous menons ces travaux qui doivent être des travaux transversaux
à travers tous les ministères, le ministère de la Santé, de l'Éducation et tout ça. Tous les ministères doivent être impliqués dans les politiques de transformation. Notre politique publique mène des programmes de transformation numérique divers que je résumerai dans deux directions. Avant tout, la création de, enfin, l'assistance au talent et la transformation numérique au niveau des entreprises. En ce qui concerne la première voie, donc il y a la formation des talents qui sont exigés pendant toute la durée du processus d'éducation. C'est une priorité pour nous. Nous essayons de stimuler l'intérêt pour ces domaines qui sont liés aux sciences exactes. Ceci nous permet de renforcer la vocation des filles et des garçons à étudier les sciences exactes. Nous introduisons des matières à l'école primaire et à l'école secondaire qui donnent la possibilité de continuer ensuite une carrière dans les sciences exactes. D'un autre côté, nous menons des programmes en coopération avec les entreprises pour que l'utilisation du blockchain, de l'intelligence artificielle et toutes ces technologies soient aussi enseignées dans les écoles supérieures pour que les personnes qui se forment puissent faire face aux attentes réelles du marché du travail. Il est très important de mettre en œuvre les connaissances qu'on acquiert pendant le processus d'éducation pour que ces connaissances soient, je le dis, que soient mises en œuvre au maximum, le plus rapidement possible sur le vrai marché du travail. Que ce soit de petites ou grandes sociétés, il y a un grand besoin, pas seulement en Colombie, mais dans le monde entier, un besoin de former les gens qui auront des connaissances techniques, des connaissances en matière de technologie, d'informatique, car ce sont des personnes qui vont soutenir le développement des économies. Donc nous concentrons non seulement sur la formation en matière de sciences exactes, mais nous essayons aussi de répondre aux besoins du secteur privé en ce qui concerne ce type de compétences. Nous avons donc des politiques qui sont bien définies, de renforcer les talents humains et ensuite de la mise en œuvre et de l'utilisation de l'exploitation de cet élan dans les secteurs de l'économie et pour le bien du pays. Dans le secteur de l'industrie, mais aussi dans l'agriculture, pour que les jeunes qui se forment en sciences exactes et informatiques, que ces jeunes puissent soutenir le développement du secteur de l'agriculture. Nous avons déjà des succès énormes en cette matière. Nous considérons que l'État, en voyant un besoin qui existe, une demande pour les talents en sciences exactes, que l'État réponde à ce besoin et qu'il élargisse les possibilités d'emploi pour les jeunes qui développent ces talents. Merci, Madame. Merci pour ce commentaire si concis. Nous voyons que la Colombie voit réellement un grand besoin de transformation numérique en matière de l'éducation et que vous attachez une grande attention au développement de jeunes talents. Donc je vous remercie pour cette perspective colombienne. Maintenant, j'aimerais passer la parole à un représentant d'organisation internationale. Je me permettrai maintenant de passer le micro à Madame Rinali Abdulrahim. C'est la vice-présidente pour la stratégie, la communication et l'engagement
de l'organisation Internet Society. Je vous remercie. C'est un grand plaisir pour moi d'être avec vous ici aujourd'hui. Je veux dire la chose suivante. Mon point de vue est tel que ce qu'il est dans le meilleur intérêt de chaque pays est d'avoir des politiques nationales qui promeuvent une éducation ciblée pour préparer les jeunes gens aux enjeux du futur sur le marché du travail. Il est très important que ces politiques soient inclusives pour qu'elles promeuvent l'accès aux ressources d'éducation aussi dans les groupes qui ne sont pas privilégiés. Donc aussi entre les élèves qui habitent les terrains ruraux et là où il y a aussi des terrains de pauvreté. Donc c'est des questions relatives à l'inégalité quant à l'accès à l'éducation. Ça concerne évidemment les filles. La pandémie du COVID-19 nous a montré combien nous dépendons de l'Internet, combien la résilience du milieu Internet est importante. La leçon que nous avons tirée là, au moment où nous avons dû rester à la maison, est très évocatrice. Sans Internet, manque pas d'accès au travail, pas d'accès à l'enseignement. Dans de nombreux pays, la croissance socio-économique a été freinée lorsque nous déplaçons sur la route qui nous mène vers le futur. Souvenons-nous que l'accent sera de plus en plus fort sur l'enseignement hybride qui utilise les services numériques et l'Internet. Mais nous devons lutter contre l'inégalité d'accès à Internet. Nous savons que la moitié de la population mondiale vit offline. La majorité de ces personnes, c'est des femmes, et des femmes qui vivent dans les pays en voie de développement. Si elles sont déconnectées d'Internet, on va se demander de quoi aura l'air le futur de l'éducation, de quoi aura l'air leur travail dans le futur et le futur de leurs enfants, dont l'accès à l'Internet est absolument indispensable. Ça doit être un Internet qui n'est pas excessivement cher. Ça doit être un accès à Internet à bande large. Si on doit garantir l'accès à l'éducation en ligne pour tous. Alors, cinq questions qui semblent très importantes. C'est avant tout, on a besoin d'un engagement au niveau gouvernemental. Je parle du gouvernement central pour que l'accès à Internet soit garanti. Deuxièmement, je veux vous dire qu'on a besoin aussi d'un cadre juridique et réglementaire pour pour faire que les investissements dans la connectivité globale mondiale soient possibles. On a aussi besoin d'une approche innovante et flexible au financement des projets d'éducation. Quatrièmement, on a besoin de stratégies nationales de promotion d'accès à l'Internet qui comprendront aussi la participation des institutions de l'éducation et des institutions de recherche nationale. Et aussi des modèles qui promeuvent l'accès à Internet sont tout aussi nécessaires. Je voulais aussi vous dire que pour atteindre le succès, nous devons nous concentrer sur les besoins en éducation pour les générations à venir et nous devons remettre à niveau les inégalités d'accès à Internet. Merci beaucoup. Moi, en me préparant à ce panel, j'étais vraiment choqué en lisant que pratiquement la moitié de la population du monde vit toujours offline. Et la majorité de ces personnes sont des femmes qui vivent dans les pays en voie de développement. Donc vous avez bien fait de souligner ce programme si important. Grand merci pour Madame Inali Abdulrahim. Et maintenant, Monsieur Luke McKen, qui est directeur des marchés en croissance du pour les pays du LATAM et de l'EMEA. Je vous remercie de me permettre de prendre part à ce panel. Il est difficile de dire maintenant quelque chose de nouveau. Et je suis absolument d'accord avec ce que les panélistes ont dit auparavant. Je vais encore souligner quelque chose. Il me semble qu'une question importante de mon point de vue serait la question du futur pour lequel nous préparons. Parce que si nous préparons pour un futur uniquement technologique, il est
très probablement que des accès importants nous échappent. Évidemment, l'éducation en matière du groupe STEM est importante. Et le processus de numérisation va continuer à se développer dans les décennies à venir. Mais je crois qu'il y a aussi d'autres questions que nous devons prendre en compte, à savoir les compétences soft dont nous avons toujours et encore besoin. Si nous devons utiliser les ressources numériques, ces compétences soft nous seront nécessaires. Je pense que nous parlons de la manière de coopérer de manière efficace, comment apprendre, enseigner à résoudre des problèmes ensemble, comment coopérer, comment développer les compétences de base qui permettront aux enfants d'aujourd'hui de se développer pour devenir des adultes de demain. Et probablement la compétence la plus importante que nous devons adopter sera la connaissance de s'adapter au changement de manière à ce que nous puissions acquérir des compétences importantes qui nous rendent possible la continuation de notre carrière professionnelle. L'un des enjeux les plus importants, je pense au début de ma carrière professionnelle, mettons il y a 25 ans, beaucoup de noms de postes n'existaient même pas à l'époque. Donc nous devons réfléchir sur le développement de systèmes d'éducation qui seront suffisamment flexibles, qui vont s'adapter aux changements qui ont lieu sur le marché du travail. C'est très difficile. C'est pourquoi nous ne pouvons pas nous concentrer sur des connaissances purement technologiques parce que les compétences soft seront très importantes aussi pour nous permettre de nous adapter aux changements dans le temps. Il me semble aussi que devant nous, il y a encore quelques autres enjeux. Et l'intervenante suivante, précédente, en a parlé aussi. C'est-à-dire la question de l'accès, car un enjeu très fort dans l'éducation est l'accès insuffisant des jeunes à l'Internet. Mais souvenons-nous que l'accès à l'Internet en lui-même n'est pas une solution suffisante. Dans une économie qui est mûre, il est facile d'assurer l'accès à Internet. Mais dans les pays de l'Afrique, mettons, ce niveau de participation au service numérique est beaucoup plus bas. Donc devant nous, nous avons un grand nombre d'enjeux infrastructurels pour nous permettre de garantir un accès égal à la société mondiale à Internet. C'est ça les enjeux de base qui me viennent à l'idée maintenant. Merci à vous. Merci à Luke McCann. Ce sont effectivement des aspects cruciaux, des aspects clés. Le sentiment qui est le mien est que plus nous avançons techniquement, plus nous devrions réfléchir à des questions tout à fait fondamentales, de base, c'est-à-dire comment fonctionne notre esprit, comment rester calme en cette ère numérique, comment ne pas oublier les droits de l'homme les plus stricts, les plus fondamentaux. J'espère que nous aurons réussi à évoquer certains de ces sujets. Je voudrais maintenant que nous écoutions M. John Vamvakitis, directeur de Google for Education International. Nous serons avides d'entendre vos commentaires sur la manière dont nous pourrions faire face, satisfaire les besoins pour ce qui est de préparer la jeunesse aux défis qui se profilent sur le marché du travail. Merci beaucoup. Nous avons entendu maintenant déjà beaucoup de commentaires très intéressants. Je voudrais maintenant faire quelques remarques en guise d'introduction avant que nous n'allions plus en profondeur, plus dans les détails. J'espère que vous m'entendez bien. Chez Google, nous nous concentrons sur le soutien et l'enrichissement des milieux éducatifs en outils numériques. C'est ce qui s'est passé ces dernières années. Je voudrais maintenant souligner quelques aspects.
parmi les plus importants. Certains d'entre eux ne seront qu'un écho de ce qui a déjà été dit par certains participants. Nous allons nous concentrer sur le groupe STEM, bien entendu. Mais il est important de se souvenir qu'il y a des millions de personnes dans le monde qui ont remplacé leur maison, transformé leur maison en bureau virtuel. C'est ce qui s'est passé pendant la grande pandémie de Covid-19. Et c'est un peu ce qui s'est passé aussi avec les chambres d'enfants avec l'école en ligne. Donc soulignons l'importance des services en ligne sur l'éducation et sur le marché du travail dans diverses situations, dans divers pays. Nous allons continuer à travailler et nous devons accompagner les éducateurs, les enseignants, de manière à ce qu'ils puissent continuer à jouer le rôle qui est le leur en ligne. Donc la technique ici est un outil et pas un but en soi. Il est important de garder cela à l'esprit. Gardons aussi une chose à l'esprit, c'est que nous ne sommes pas en mesure de prédire l'avenir. Certains des participants de ce colloque l'ont déjà rappelé. C'est pourquoi la flexibilité, la souplesse sont si importantes. C'est important, la flexibilité, parce qu'il faut être réactif. Nous ne savons pas quels sont les métiers qui vont apparaître à l'avenir. Et c'est important pour préparer la jeunesse, bien sûr. Donc, il faut préparer les jeunes de manière à ce qu'ils puissent s'adapter avec souplesse à un paysage changeant et un paysage qui change rapidement. Souvenons-nous aussi d'une chose, c'est que le milieu de l'éducation doit être attrayant, inclusif, doit évoluer. La technique, c'est un ensemble d'outils. Au lieu d'avoir un papier et un crayon, maintenant vous avez un écran tactile, et vous avez des outils numériques. Il est important justement d'avoir à l'esprit de parler aussi de politiques qui vont mettre en avant, favoriser l'apparition d'outils numériques. Je pense que STEM, donc les matières STEM, c'est quelque chose d'important, mais ça n'est pas tout, ça n'est pas le tout. Ça ne peut pas constituer la totalité de la transformation. Soyons honnêtes, il va nous falloir préparer aujourd'hui les élèves et les étudiants à un monde où ils devront trouver du travail, qui n'est pas celui que nous connaissons aujourd'hui. Donc nous les préparons à un monde que nous ignorons encore. Donc les technologies STEM, technologies numériques, c'est sûr que c'est une source précieuse de nouvelles compétences, mais en dehors de cela, en dehors des matières du groupe STEM, il y a des aspects essentiels qui sont des forces motrices pour le succès. Nous avons besoin d'une infrastructure appropriée pour que l'éducation en ligne puisse être efficace. Souvenons-nous d'une chose, c'est qu'il faut, c'est en partenariat avec les diverses parties prenantes qu'il faut nous y prendre. Il faut engager les instituteurs, les professeurs, et puis, mais aussi les parents d'élèves qui souvent forment des associations. Ces parents d'élèves et ces instituteurs, ces professeurs que j'ai cités, doivent créer avec nous les outils de demain. Donc nous sommes tous appelés à apprendre intensément. Et c'est tout aussi intensément que nous travaillons à la création d'outils qui vont faciliter le travail des instituteurs, des professeurs et des élèves sur les plateformes en ligne. Nous voudrions que les enseignants se sentent bien, qu'ils soient à l'aise, qu'ils aient vraiment la sensation d'avoir les mains à la pâte, d'être responsables, d'être auteurs de ce qui se passe. Et c'est tout ce que nous voulons, tout le mal que nous souhaitons au monde de l'éducation dans les années à venir. Merci. Merci beaucoup. Un point de vue complètement différent. Et ça n'en est que plus instructif. C'est la perspective d'un fournisseur d'outils technologiques. La souplesse, la flexibilité, vous en parlez, c'est quelque chose de très important dans
dans le secteur dont nous parlons, mais c'est aussi si important, c'est ce que nous allons faire pour ce qui, en matière de formation d'enseignants. Parce que ce sont les enseignants qui sculptent les esprits ensuite et les compétences des enfants. John, merci beaucoup. Je voudrais poser maintenant la même question à Monsieur Gbenga Cézanne, directeur de Paradigm Initiative, qui nous parlera de la jeunesse en Afrique, une jeunesse qui n'est pas forcément privilégiée, pas forcément favorisée de par les zones où elle évolue. Oui, merci beaucoup. La pandémie de coronavirus, si elle nous a appris une chose, c'est bien qu'il y a deux types de jeunes, en fait. Il y a les jeunes qui utilisent les possibilités qui s'offrent à elles, qui surfent sur n'importe quelle nouveauté technique pour améliorer leur situation matérielle, pour apprendre de nouvelles choses, pour être encore plus indépendants. Et puis, il y a un deuxième type de jeunes, une deuxième catégorie, c'est ceux qui sont en retard, qui n'apprennent pas, et non seulement... Ce sont des jeunes qui non seulement n'apprennent pas les nouvelles technologies, mais qui en plus vont oublier facilement les technologies d'hier ou d'avant-hier. Donc ça, c'est le groupe de gens auquel j'ai affaire au jour le jour. Il y a vraiment un gouffre numérique qui est de plus en plus criant, de plus en plus douloureux. Le gouffre numérique, c'est quand on avait dit que c'était 40%, non, c'était, je vous redonnerai le chiffre tout de suite, mais il y a une partie de la population mondiale qui n'est pas dans la même réalité que le reste pour ce qui est de son accès à l'information. C'est pourquoi toutes les politiques dont on parle doivent prendre en considération deux aspects. Premièrement, la réalité dans laquelle nous vivons aujourd'hui, à savoir qu'on a besoin de politiques technologiques à mettre en application, bien sûr, mais il faut aussi faire en sorte que ces politiques soient adaptées à la réalité, parce que très souvent, ce qui se passe, c'est qu'on a un gouffre entre la politique et la réalité. Quand on parle d'améliorer la connectivité pour des gens qui n'ont pas encore d'ordinateur, forcément, on est en train de bâtir des châteaux en Espagne, voire sur la Lune. Donc, vraiment, il faut... Il y a des jeunes qui n'ont accès qu'à un café Internet, par exemple. Et c'est là qu'ils vont apprendre. Ça veut dire que c'est déjà quelque chose, mais c'est insuffisant. Ça veut dire qu'il faut améliorer l'accès à la technique numérique. Bien entendu, il faut prendre en considération le fait que 40%, oui, 40% de la population mondiale n'a pas accès à Internet. Voilà, ça, c'est le défi. Il faut prendre ça en considération. Très souvent, bien sûr, ce qui se passe pour ce qui est des matières STEM dans les écoles, les universités, les lycées, c'est ce qu'il faut qu'on crée. On crée des politiques adaptées à la réalité, la réalité économique et la réalité en matière d'infrastructure des divers pays, parce que parfois on produit des lauréats, des diplômés qui ne vont pas trouver de travail parce que le diplôme qu'ils ont dans la poche ne leur permet pas en réalité de trouver du travail là où ils évoluent. Donc on a besoin d'une véritable coopération entre les gouvernements et les entreprises. C'est comme ça qu'on va pouvoir s'adapter au marché de l'emploi. C'est ce dont on a besoin au Nigeria et ailleurs. Pour faire de bons diagnostics, on a besoin des entreprises. L'État ne peut pas y arriver tout seul. Et c'est comme ça, après, qu'on peut avoir ce fameux triangle vertueux qui est État, université, entreprise. Donc maintenant, on a face à nous un autre défi, c'est qu'il faut réaliser des projets qui vont permettre d'aider acquérir les compétences dont on a besoin avec un effet d'échelle. Donc il faut analyser les projets qui ont déjà été mis en application et puis ensuite on peut effectivement essayer de faire du copier-coller dans un pays donné en disant voilà, on va essayer ce projet qui a fonctionné là-bas, on va essayer de le mettre en application ici. Mais ça peut des fois être une remise à échelle parce que parfois ça a été un projet vraiment à grande échelle qui va être à petite échelle ou inversement. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous avez souligné le fait que effectivement la réalité de la pandémie coronavirus avait mis en exergue l'exclusion numérique. C'est un problème qui ne
touche pas, qui n'affecte pas que l'Afrique ou les pays en développement. C'est aussi un problème dans certains pays développés. Vous savez qu'en Suisse, pendant la pandémie, les enseignants se sont plaints parfois de ne pas avoir d'ordinateur. Ça les avait moins dérangés jusque-là, mais c'était devenu un problème absolument brûlant. Donc, vous savez, à des degrés divers et toute proportion gardée, c'est un problème qui touche le monde entier. Cette pandémie de coronavirus nous a ouvert les yeux sur ces disparités criantes. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette première session questions-réponses. Nous allons passer à la suite. Nous allons maintenant réfléchir à la manière dont les gouvernements peuvent améliorer et rendre plus efficaces les nouvelles technologies. Et je ne parle pas ici uniquement des enseignants et des élèves, mais de tous les membres de la société. De quelle manière on pourrait faire en sorte que tous puissent acquérir les compétences qui sont nécessaires de manière à pouvoir bien utiliser les nouvelles technologies, sans oublier les plus âgés d'entre nous. N'oublions pas que nos sociétés vieillissent en Europe, mais aussi en Chine. Commençons par vous, Madame Valderrama, si vous voulez bien. J'espère que vous êtes encore avec nous et que vous allez pouvoir prendre la parole. Merci. Merci beaucoup de m'avoir donné la parole. Je voulais dire que je suis complètement d'accord avec ce qui a été dit par mon prédécesseur. Je pense que du point de vue de la Colombie, on ne peut pas oublier trois choses particulièrement importantes. Il faut travailler non seulement sur la connectivité. On ne peut pas que se concentrer sur la connectivité. On ne peut pas dire uniquement « Ok, la connectivité doit arriver partout, dans tous les coins et recoins du pays ». Il faut faire aussi en sorte que les plus âgés d'entre nous puissent faire usage de cette connectivité, faire usage des appareils qu'ils ont à leur disposition. En Colombie, nous faisons tout ce qui est en notre possible pour que la technologie, la technique, soit utilisée non seulement au quotidien par nos concitoyens, mais aussi nous voulons que ces outils leur rendent la vie meilleure, tout simplement. Et dans ce contexte, je voudrais vous dire ce que nous faisons en Colombie au niveau de la politique, au niveau des politiques publiques, pour assouvir les besoins les plus primordiaux, les plus basiques de la société. Nous menons divers projets en Colombie, dirigés, adressés, pensés pour les femmes, pour les jeunes, pour les entrepreneurs. Il y a un projet qui me tient à cœur particulièrement et qui est un projet pensé, conçu pour les femmes qui n'ont pas terminé d'études, qui n'ont aucun diplôme en poche. Ce sont des gens qui souvent n'ont jamais eu rien, aucun point d'accroche, si vous voulez, avec les nouvelles technologies. Et or, c'est ça, les nouvelles techniques, les nouvelles technologies, les nouveaux outils techniques devraient aider de telles femmes à entrer sur le marché du travail et à y être actives. J'ai dû vous couper la parole, je suis désolé, mais je n'ai que trois. On m'a dit, vous n'avez que trois minutes. Vous ne donnez que trois minutes. C'était très intéressant, j'ai dû vous couper la parole. Je suis vraiment désolé. Nous allons passer à la dernière question. Comment définiriez-vous la justice pour ce qui est des conditions d'emploi? Où pourrions-nous voir des zones d'amélioration potentielles? Je voudrais maintenant donner la parole à M. Thorsten Schaffer-Gumbel du GIZ. Deux minutes, s'il vous plaît. Pourriez-vous commenter la chose? Pardon encore de vous avoir coupé la parole. Je déteste faire ça, mais vraiment, on m'a demandé d'être strict et impitoyable. Und der Rahmen von IKT-basierten Dienstleistungen
Mit der Schaffung geeigneter Rahmenbedingungen und gezielten Fördermaßnahmen kann so die Digitalisierung ganz sicher eine wichtige Rolle bei der Beschäftigungsförderung in unseren Partnern spielen. La cabine ne peut pas traduire car l'intervenant parle en allemand et nous n'avons pas de cabine allemande qui nous assurerait la traduction vers une langue de laquelle on peut traduire vers le français. Excusez-nous. Sie hat gemeinsam mit der ILO 5 Kriterien faire Arbeit entwickelt, die als Grundlage für die Bewertung von Arbeitsbedingungen auf digitalen Plattformen dienen. Und das will ich am Ende einfach nochmal unterstreichen. Diese sind faire Bezahlung, faire Verträge, faire Bedingungen, faire Managementprozesse und faire Mitbestimmung. Und da will ich einfach einen Punkt machen. Merci, je n'ai pas pu, il n'y avait pas de traduction de l'allemand, hélas, mais je suis sûr que votre contribution n'en était pas moins essentielle. Les organisateurs assureront probablement une traduction post-factum qui sera disponible sur Internet. Désolé, nous sommes limités par le temps. Merci pour votre participation et merci pour votre contribution. Nous n'avons pas plus de temps. Le temps nous fait des défauts maintenant de plus en plus cruellement. C'est un forum, c'est un sommet numérique. Et donc, nous devons être impitoyables pour ce qui est du programme. Et le pire est que nous n'avons pas de discussion dans le couloir après la discussion. Pas de discussion devant la machine à café après le panel. C'est très regrettable, mais il n'en est pas moins vrai que cette discussion aurait été particulièrement instructive, particulièrement enthousiasmante. Ce fut un honneur pour moi d'en être la modératrice. Je vous dis bonjour de Pékin. Et bonne nuit. Merci. Au revoir. Et pardon encore d'avoir dû être aussi impitoyable pour ce qui est du respect du timing.